Bon allez, on commence à jouer, moi j'en peux plus, il faut que je joue. Super Mario 64, messieurs, dames. It's me, Mario. Alors. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai pu passer des heures devant ça. Vraiment. Tu as testé quoi? Par contre, il respire par où, j'avoue, il a pas de narine. Bah, menteur, menteur. Ça fait un sacré nez là quand même. Ça fait un sacré pif là. Ouais. Bon allez, on y va. Sous la moustache. Ah oui, les narines sous la moustache. Effectivement. Oh là là. J'avais oublié cette musique. Voilà. Merci Arcane. Merci beaucoup. Mon très cher Mario, viens vite au château. Ciao bello, vous voici arrivé au château de la princesse. Grâce à un tuyau de téléportation. Contrôler Mario est très facile, appuyez sur B pour sauter, Y pour attaquer, appuyez sur A pour lire les pancartes. Et maintenant, en route vers le château. Nice. Merci à Wolven aussi bien sûr, merci beaucoup. Alors en fait, je crois qu'en termes de... Pour les graphismes, je crois que ce qu'ils ont fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est respecter le nombre de polygones d'origine, mais ils ont lissé pour quand même mettre ça en HD et aussi la fluidité, bien sûr. Regardez-moi ces textures incroyables, regardez-moi cette herbe. Envie de fouler cette herbe comme jamais. Alors j'ai allumé effectivement le RTX. Hein. Vous pouvez facilement vous accrochez aux arbres et aux poteaux. Une fois accroché, vous pouvez appuyer sur B pour sauter en arrière. Pour changer la position, inclinez le stick gauche vers la gauche ou la droite. Une fois au sommet, inclinez le stick gauche vers le haut pour faire le poirier. Appuyez alors sur B pour faire un méga saut vers l'arrière, digne des plus grands athlètes. Et non. Les déplacements de caméra, j'avais complètement zappé qu'ils faisaient du bruit. Regardez. J'avais complètement zappé que ces mouvements de caméra faisaient du bruit comme ça. C'est infernal. Ok. Est-ce que tu penses que le jeu a bien vieilli, Ponce? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, bah on va voir hein. Réponse dans ce let's play, messieurs dames. Le bad. Eh bonjour, nous sommes les frères Lakitu et nous vous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple.
Vous pourrez choisir l'angle de prise de vue avec votre joystick droit, hein, bien sûr. S'il est possible de bouger la caméra, un signal sonore retentira. Pour jeter un œil autour de Mario, arrêtez-vous et inclinez le joystick droit vers l'avant. Appuyez sur B pour revenir au jeu. J'avais oublié ça. Appuyez sur R pour changer le mode de vue. Lisez les pancartes que vous croiserez pour en savoir davantage. C'était Lakitu, le caméraman toujours prêt à vous fournir les meilleures images. Et à nous récupérer en cas de chute, évidemment, sur les meilleurs jeux. Merci Baltorski, merci beaucoup. Oh l'enfer de jouer comme ça. Merci Sixik, merci beaucoup. Oh l'angoisse. C'est peut-être pas plus mal en vrai. Un peu la gerbe, un peu la gerbe. Un peu la gerbe, effectivement. Bienvenue, l'ami. Ici, il n'y a personne, alors dégage, moustique. Oh, oh. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un, parce que tu viens quand même de... Oh ! Mario, c'est toi ? Comme je suis heureux de te voir. La princesse, comme nous tous, a été emprisonnée dans les murs du château. Mais on garde le smile. Bowser a volé les étoiles du château et il les a mises dans tes yeux. Non, pardon. Il utilise leur puissance pour se créer un monde dans le tableau et les murs. Je t'en prie, retrouve les étoiles de puissance. Grâce à elles, tu pourras ouvrir les portes du château que Bowser a fermées. Il existe 4 pièces au rez-de-chaussée. Commence par celle dans laquelle tu trouveras le tableau représentant des bonbons. Bowser a oublié de fermer cette porte. Lorsque tu auras récupéré 8 étoiles, va ouvrir la porte avec la grosse étoile. La princesse doit être de l'autre côté. Spoiler alerte, elle n'est pas de l'autre côté. Hein ? Pas se mentir. Hein ? On va dire la vérité de suite. Hein. Ah oui, la chute est... Ta-da-da-da. Pourquoi tu spoil? Désolé, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai peut-être un petit peu spoil. Bon, on va où? Bon, là, il faut 3, on peut pas. Attends, c'est quoi ça déjà? Ok, donc là, je reviens là où j'étais, ouais. Ici. Putain, je me rappelle pas du tout, c'est énorme. Oui, je sais qu'il m'a dit bonbon, mais slow run ici, slow run. Le jardin, magnifique jardin ici. Ah, je peux pas lire ça? Ah. Merci pour ta chose. Les bouts sont timides. Si vous les regardez dans les yeux, ils disparaîtront. Mais si vous leur tournez le dos, ils réapparaîtront invisibles. Ils sont invincibles. Ah non, invisibles, ils sont invincibles. Putain, je comprenais pas. Tentez de vous faufiler derrière eux et de leur botter les fesses. Ouh. Appuyez sur Y lorsque vous courez pour faire une attaque en glissade. Pour vous remettre debout, appuyez sur B ou sur Y, c'est comme vous voulez. Nice. Putain, les... Les fils 97, on le rappelle. Hein. Oula. Si vous sautez de façon répétée, vous sauterez de plus en plus haut. En courant et en sautant 3 fois, vous ferez un triple saut. Sautez contre un mur et sautez à nouveau pour créer une impulsion. Grâce à cette technique, vous pourrez accéder à des lieux en hauteur. Bien sûr. Aïe. Pourquoi j'y arrive pas là? Aïe. Enfin, pourquoi j'y arrive pas? Ah voilà. Attends, pourquoi ça marchait pas avec... Ah!
Ok, j'ai capté. Cette maniabilité de l'enfer. Ouais, la caméra. Incroyable. Incroyable enfer. C'est énorme. La 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 la. Cette porte est fermée à clé. Allez, on y va. Non, la faute. Non, mais non. Oui, non, mais j'ai bien compris. Allez, une étoile. Merci. Mais on est d'accord que là, c'était du farm infini de pièces au final. Est-ce qu'on est d'accord? Très intéressant cette histoire. Si, je crois que c'est. Je crois que c'est du farm infini. Attendez. Montre. Ah non, pas là. Pourquoi il a ripop alors? J'avoue, où est le compteur de pièces ici là? Trop bizarre. Il existe 3 sauts différents que vous devez maîtriser. Tout d'abord, le triple saut. En pleine course, sautez 3 fois. Ensuite, pour sauter le plus loin possible, vous devez effectuer le saut en longueur. Courez, appuyez sur ZL pour vous accroupir, puis sur B pour sauter. Et enfin, pour créer une impulsion, appuyez sur B vers un mur, puis sautez à nous. C'est compris, triple saut, saut en longueur, impulsion. Bien sûr. Attention, c'est la meilleure musique maintenant. Merci enfin. Ah oui, non, mais moi je prends mon temps. Je prends vraiment mon temps, j'ai envie de prendre mon temps en fait. Vraiment très très envie de prendre mon temps en tout point. Incroyable, vous voilà propulsé au beau milieu d'un champ de bataille. Vous trouverez dans les mondes, au milieu des tableaux, les étoiles que Bowser a dérobées. Tout d'abord, parlez au gentil Bobombe. Appuyez sur A pour parler. Il vous aidera sûrement, ainsi que ses camarades dans d'autres niveaux. Pour lire une pancarte, arrêtez-vous, faites face au panneau, appuyez sur A. Appuyez sur A ou B pour lire la suite du texte. Attention, si tu te promènes par ici, tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau. Les méchants Bobombes adorent se bagarrer. Et ils trouvent toujours le moyen d'attaquer quelqu'un. Cette prairie est devenue un champ de bataille depuis que le roi Bobombe s'est approprié l'étoile de puissance. Peux-tu aller chercher l'étoile pour nous? Traverse le pont, va à gauche et prends le chemin vers le haut pour trouver le roi Bobombe. Ah, c'est précis en vrai. Reviens me voir lorsque tu auras récupéré l'étoile de puissance. J'avais oublié qu'il te donnait vraiment le chemin quoi. Lui, il veut pas parler. Hé toi, c'est dangereux par ici, écoute bien mon conseil. Traverse les deux ponts devant toi, tout en faisant attention au bombao. Le roi Bobombe au sommet de la montagne est très puissant, ne laisse pas l'attraper. Nous sommes de Chantilly Bobombe, et nous sommes de ton côté, n'hésite pas à venir nous voir. Très bien, ça avait l'air adorable. Peu cher. Ah oui, cette physique de la montée, regardez. Attends, est-ce qu'on va vraiment moins vite? Donc là, j'ai une vitesse. Là, ah, je crois pas là. Je crois pas là, en vrai. Je crois pas, en fait. Oh, regardez-moi ces textures magnifiques ici. Ça, je crois qu'ils sont pas gentils. Et ça, pour débloquer ça, c'est... Je sais même plus. C'est pas avec les pièces rouges? Je crois pas. Je sais plus. Plus du tout, c'est énorme. Il existe des casquettes spéciales dans les blocs rouges, verts et bleus. Marcher sur les interrupteurs, c'est ça, oui, pardon, les interrupteurs d'un niveau caché pour faire apparaître des blocs de couleur. Mais du coup, attendez, les pièces rouges servaient juste à avoir une étoile supplémentaire, c'est ça? Je crois que c'est ça, putain, c'est énorme, je sais plus exactement. Est-ce que je peux monter à pied? Ouais. Nice. Tadoudou. Merci Xuxu. La flèche. Et c'est vachement backcité. Quel enfer la caméra. Ah
Je peux pas changer la cam, c'est horrible. Ah! Ouais, je me rappelle du petit pingouin, et même quand j'étais petit, le petit pingouin me faisait penser... comment s'appelle déjà le dessin animé avec le pingouin, et quand il bouffe des poissons, ça donne faim de ouf. Je sais plus comment il s'appelle ce dessin animé. Pingou, oui c'était Pingou en fait. Oui c'est ça, c'est ça. Et genre je me rappelle que quand j'étais petit, je faisais un rapport entre le pingouin et Pingou. C'était énorme. J'avais une vie énorme, mais c'était insane. Vous savez... Oh, ça va aussi. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Monsieur? Net, net. Wait. J'ai complètement oublié l'existence de cette merde, moi. Attends. Quoi? Il y avait vraiment des herbes de téléportation? Quoi? Attends, il va où? Là. Ah bon? C'est nouveau ou... Et y a un retour? Ah oui, il y a un retour. Pour le coup, ils ont vraiment rien changé. Ah ouais, d'accord. Aucun souvenir de ça. Aucun. Genre zéro. C'est même pas vite fait ou quoi, c'est zéro. C'est zéro de mon côté. Lui, je m'en rappelle, il me faisait ultra peur. Alors qu'en fait, il est totalement inoffensif, c'est-à-dire qu'il est là, voilà. Vous aviez peur, vous? Moi, j'avais peur de lui, alors qu'il est absolument inoffensif. Très gentil. C'est une belle personne. Hop. Il me faisait flipper. Ouais, non, mais moi aussi, il me faisait ultra peur, alors que... En vrai, il fait rien, hein. Par contre, là, il y a pas mal de bombes à eau qui... Ah oui, si, si, je me rappelle. Non. Je peux pas faire le... Je peux faire le saut qui enfonce. La charge au sol. La charge sol, j'arrive pas à la faire. Ah oui, si, si. Oh là là là, ça fait trop plaisir de rejouer au jeu en vrai. Voilà, on enfonce ça, on se met bien. Surtout que ça, c'est le niveau qu'on a tous le plus fait dans notre vie, forcément, vu que c'est le premier. Parce que c'est un jeu qu'on a, pour certains, recommencé. Moi, je sais que je l'ai recommencé plusieurs fois. Et du coup, bah ça, c'est emblématique, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu recommençais, tu t'allais ici, en fait. Merde. L'ombre de l'étoile en face de vous est un marqueur d'étoile. Lorsque vous récupérez 8 pièces rouges, une étoile apparaîtra à cet emplacement. C'est énorme. Oh. Ah, je me rappelle de rien, c'est énorme. Enfin si, mais... Je me rappelle pas de tout, quoi. Ils ont vraiment cru qu'elle était discrète, cette pièce, là-bas? Attends, je vais glisser, je vais tomber. Attends, je sais ce que je vais faire. Je me rappelle plus comment récupérer ça. Par là-haut, je pense, hein, bien sûr. Instant de karma, évidemment. Ouais, je crois que c'est par là-haut. Non, c'est par là-haut, c'est par là-haut. C'est à peu près sûr que ce soit par là-haut. Oh, 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 oh. Le mec se complique la vie littéralement. On va détruire ça évidemment. Merde. Ah. Explosé monsieur. Il y avait rien dans ce bloc. C'est suspect ça. Pourquoi ça servait ça? Je m'appelle plus.
Bonjour, Vous pouvez vous accrocher au rebord d'une falaise pour lâcher prise, incliner le stick gauche vers l'arrière ou appuyer sur ZL. Pour vous hisser, incliner le stick gauche vers l'avant ou appuyer sur B. Moi j'étais plus stick. Je suis un joueur stick là-dessus, j'avoue. C'est énorme! Mais après, c'est pour moi, c'est... Non, pour moi, c'est du pain béni. En termes de slow runner pur, c'est du pain béni, là, ce qui vient de se passer. C'est cadeau. C'est juste cadeau. C'est juste cadeau. La cam est horrible. Mais moi, j'ai souvenir de... Sur ce jeu, j'ai souvenir, quand j'étais petit, que la cam était déjà horrible. C'est-à-dire que je me faisais cette... Tu vois, ce qui vient de se passer, là? J'ai vraiment souvenir de la cam horrible. Non, pas là. Voilà, nice. Attends, mais il y a quoi de l'autre côté? Voilà, genre là, je peux pas regarder là-bas. Ah si, pour regarder, je peux faire ça. Voilà. C'est tout. Cette caméra est vraiment immonde. On verra pas... Ah, pas ça. La cam, ça fait partie du charme. Au final, ouais, hein. Comment on faisait là? On saute, hein, je pense. Ce petit platformer 3D qui fait plaisir. On pouvait pas s'envoyer quelque part avec cette merde? Attendez. Si je saute dedans. Non. Merde. Non. Non, c'est le truc qui envoie les bombes à eau. Absolument pas. Non, oui. Ah! Wow! En fait, c'est ouf, ils revendent les jeux exactement pareil avec les mêmes défauts de l'époque et nous, on kiffe. C'est trop bien! Chorizo Vegan qui s'abonne, merci beaucoup. Jifa qui fête son 4e mois. Merci à vous les fleurs. C'est quand même énorme, hein. Ils nous vendent la même merde et nous on est en mode... Pouh ! Quel jeu. Oh là-bas, attendez, il y a une pièce rouge. Avant d'aller voir le roi Bobombe, je viens de voir une pièce rouge. La question c'est, est-ce que je peux aller là-bas? Attendez, putain, je vois rien. Là-bas. Non, putain. Quelle caméra de merde! Là-bas. Comment on fait pour aller là-bas déjà? Le canon? Je sais plus comment rentrer dedans. Je sais plus comment on rentre dedans. Merci Marilou. Tu peux pas encore. Ah oui, ok. Bon allez, allons voir ce roi. Je vais juste voir s'il n'y a pas un truc ici. Le backseat est total. Oui, non mais... Bonjour monsieur. Je suis le roi Bobombe, seigneur des explosions. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, petite merde. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, moucheron. Mon royal fessier. Comment on faisait pour le soulever déjà? Non mais... Non! Oh la lourdeur! Oh la lourdeur! J'essaie de choper son gros fiac! Oh non! J'essayais simplement de le prendre par le cul. Il n'a pas été consentant et je peux comprendre cette histoire. On y retourne. En même temps, c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant pour lui, j'imagine que c'est pas non plus simple à assumer forcément.
C'est lui qui me l'a proposé, hein. Merci Superlus pour le deuxième mois, merci beaucoup. Merci. Hop, tac. On reprend toute notre vie, tac. On est reparti, tac. Hop. Est-ce que je peux? Oui, 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 le fessier, ton royal fessier. Alors, le seul truc, c'est que je... Pour prendre, est-ce que je frappe? Ou est-ce que je... Je suis derrière, je suis au niveau de son fiac. Il veut vraiment pas. Voilà, maintenant que je t'ai ramassé mon pote. La caméra magnifique, je sais exactement où je vais, ce que je fais. Bye mon pote. Ah merde, ah c'est bon. Oh, j'aurais bien aimé le lancer un peu plus loin. Ah mais vous volez monsieur, très bien. Tu dois te battre avec honneur, il est interdit de jeter une personnalité royale hors de la surface de combat. Bon allez, reviens. Le mec il te met aucune pression, il va à 2 à l'heure. Ça me régale. Ah non, non, laissez-moi, laissez-moi. La caméra absolument magnifique là-dessus. Il tourne pas plus vite maintenant, je crois. J'ai l'impression qu'en P2 il tourne plus vite. Par-dessus la troisième corde, le lance absolument magnifique. Et Mario qui hésite, qui court, qui court, qui court, qui court, qui court. Qui passe derrière, c'est magnifique ce qu'il est en train de faire, le passing est monstrueux. Hein? De quoi? Moi j'ai perdu? Battu par un tout petit bonhomme de rien du tout? Oh que non. Tiens voici l'étoile. Dette de jeu. Tête d'honneur. Ciao, petit Mario. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile sur l'écran de départ. À bientôt. Ce son, même après 120 fois, il était aussi satisfaisant. Toujours aussi satisfaisant. Énorme. Le son est décalé. Vous avez récupéré une des étoiles du château. Vous pouvez désormais ouvrir certaines portes. Essayez celle de la chambre de la princesse Peach en haut à droite dans le hall d'entrée, par exemple, au hasard. Essayez aussi celle menant au tableau de la forteresse de Womp, au rez-de-chaussée, par exemple, au hasard. Les troupes de Bowser sont encore nombreuses, il faut les arrêter à tout prix. Et je te souhaite bon courage dans cette quête du bonheur. Bon, je te cache pas que quand j'avais 7-8 ans et qu'on me proposait d'aller dans la chambre de Peach, j'étais très mal à l'aise. Mais j'y allais, évidemment. J'espère simplement qu'elle aura un autre pattern que le roi Bonbon, bien sûr. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Destruction du gros Womp. Forteresse Womp. On n'est pas du tout allé dans la chambre de Peach, on est allé plutôt dans la forteresse de Womp. Du coup. J'ai zéro envie de bosser, j'ai juste envie d'y jouer. Ouais.
Bonjour à tous, ici Lakitu, le reporter de choc et de charme. Voici un petit conseil technique, marchez tout doucement pour ne pas faire de bruit, hein, c'est surprendre vos ennemis. Vous pouvez déplacer la caméra. Non, la caméra... me parlez pas de ça. Lorsque la caméra... Non, je veux pas. Attends, montre. Alors là, vous le voyez pas, mais je suis en train de faire pipi dans les fleurs, excusez-moi. Hop là. Et ça repart. Chut. Silence, je dors. Car à l'imprudent qui oserait me réveiller. Marchez doucement sinon. L'ombre de l'étoile en face de vous est un marqueur d'étoile. Lorsque vous récupérez les 8 pièces, toujours pareil bien sûr. Qu'est-ce que je fais avec ça dans les mains moi? Qui veut un truc là? Excellent ça. Non mais c'est toujours dans l'abus cette pièce aussi. Oui j'ai réveillé mais c'est pas grave. C'est bizarre, j'ai aucun souvenir de ces trucs qui te téléportaient. J'ai absolument aucun souvenir de ça à aucun moment du jeu. J'ai jamais utilisé ces choses là. Franchement... Moi non plus, c'est ouf. Franchement, c'est... Ne pas se rappeler de ça, quand même assez marrant. Hein. C'est ouf. Merci beaucoup, Magou, pour ton cinquième mois, merci. Il existe des casquettes spéciales dans les blocs rouges, verts et bleus. Marchez sur les interrupteurs dans les niveaux cachés pour faire apparaître les blocs de couleur. Regardez-moi cette texture magnifique, ce mur ultra stylé. Josh la brioche qui claque son prime et on le remercie bien sûr. Merci beaucoup. Ah. Au par instant. Ah merde! J'avais ultra zappé ça, c'est énorme! Oh là là, ils sont forts, ils sont forts, ils sont bons! Des sacrés trolls quand même, Nintendo. Hein. Des sacrés trolls. Hein. Ils sont bons. Ils vont percer, à mon avis, ils vont percer. Hein. À mon avis, c'est un éditeur qui va fonctionner. Merci beaucoup, Solomon Monkey, pour le prime. Merci beaucoup, je le réveille, j'en ai rien à foutre. Ok, j'aurais dû le laisser dormir, je pense. Il y a eu un changement au niveau des contrôles. Non, c'est exactement les mêmes contrôles. Non, c'est les mêmes contrôles. J'aimerais m'endormir aussi vite que cette plante. J'aimerais avoir le sommeil de cette plante. J'aimerais avoir sensiblement la même aisance à m'endormir et à rester aussi sereine que ça. Pardon, je suis désolé. Les bruits à chaque coup de caméra. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh, ça me fume.
voilà, elle dort. Aucun problème pour elle. Aucun problème. Aucun souci pour elle, c'est énorme. Et du coup là, full vitesse, ça passe ou pas? Ou alors si je fais un... Attendez. Non, on va pas faire ça. On va juste faire ça, ça... Ah, les bruits de caméra, vraiment, c'est incroyable. Donc là, il faut juste sauter et rester et ressauter. C'est une bêtise comme ça, ouais. Se mettre au bout, sauter. Au bout, normalement, tu l'as, hein. Ici, je pense. Un saut suffira, vous pensez? Et non. Il fallait... Ah bah! Eh bah, c'était pas plus mal! J'ai récupéré une rouge. C'était pas plus mal. En vrai, c'était nickel. Mais du coup, il faut... Ouais, juste un petit deuxième saut et ça passe. Le level design est parfait. Et on y va! Bon, j'avais oublié que le jeu avait été effectivement fait. Effectivement. Ah non, j'y vais. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Non, reviens. Dégoûté. Dégoûté. Vraiment dégoûté, je trouve que c'est vraiment très... Ouais, non, c'est mal fait. C'est pas mérité, honnêtement. Honnêtement, c'est pas mérité. Pas mérité. Oh, c'est pas grave. Ok. Il a disparu vachement vite, on est d'accord. Nice. Cette caméra me fascine. Elle est fascinante. Bonjour monsieur. Ah, c'est pas le moment de venir m'embêter. Nous les pierres, on construit des maisons et des châteaux. Et vous les humains, vous ne pensez jamais à nous dire merci. Si tu restes là, je m'en fais t'écraser la face comme une vieille prune. Vas-tu pouvoir faire une attaque rodéo sur mon dos? Bah super le backseat. Si on peut bannir s'il vous plaît cette personne en fait, purement et simplement. Merci. Wow. Ok, j'étais pas... Ouais, nickel. Le pire, c'est que tu vois une énorme croix au milieu. Oh, close là-dessus. Ah ben là, la caméra est plus agréable. Tu vois, par exemple. Là, la caméra est plus sympa, tu vois. L'ombre est ultra bien faite, par contre, hein. On s'accorde là-dessus, mais l'ombre est magnifique. Hein. Quoi? J'ai perdu! Sacré nom d'un pétard! Vous, les humains, vous n'avez aucun cœur. Tiens, prends ça, va-t'en, casse-toi. Plus jamais, je veux te voir. Ouais. Ouais, c'est énorme, c'est la deuxième étoile qui est récupérée, plus que 118 étoiles, messieurs, dames, avant le 100%. Bon, là, du coup, ça, c'est les niveaux avec... Attends. Il est scred. Bah... Bowser a volé les étoiles, je l'ai vu! De mes propres yeux! Il faut que tu viennes en aide, s'il vous plaît. Il a caché 6 étoiles dans chaque monde, mais tu pourras pas toutes les récupérer sans avoir actionné les interrupteurs, les casquettes, tout ça. Les étoiles que tu as récupérées apparaîtront à l'écran, au début de chaque niveau. Si tu désires revoir les ennemis, tu as déjà vaincu, sélectionne les étoiles en relation avec ces ennemis.
On va aller dans la chambre de Peach quand même. Merci beaucoup, Danastra, pour ton troisième mois. Merci beaucoup. À l'intérieur des tableaux, vous pourrez toucher des murs invisibles marquant les limites du niveau. Si vous touchez un mur en volant, vous serez bloqué. Tout à fait. Ce n'est pas un open world, hein, bien sûr. Par contre, c'est bizarre, je vois pas mon compteur de pièces, même quand je récupère. Regardez. Bizarre, non? En vrai, c'est bizarre. Ah, mais il y a des fautes d'orthographe, on est d'accord, je n'osais pas le dire tout à l'heure. Il y a des fautes d'orthographe. Parce que depuis... J'en avais une aussi tout à l'heure, il y a eu un AIS au lieu d'un AIT, j'ai pas trop compris. Merci beaucoup, Lord Spidey, pour le quatrième mois. Merci à toi. Bizarre, quand même. Ça m'étonnerait... Oui, c'est ça, ça m'étonnerait AIS. C'est bizarre, quand même. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre. C'était la traduction de l'époque? Tiens, bizarrement, à 9 ans, j'avais pas capté qu'il y avait des fautes d'orthographe. Mario, mon château est en danger, et Bowser en est le responsable. Tout seul, toi seul peux contrecarrer ses plans diaboliques. Les portes du château ont été scellées par Bowser, et ne peuvent être ouvertes qu'à l'aide du pouvoir des étoiles. Bowser a caché les étoiles de puissance dans les tableaux et les murs du château. Mais Bowser n'a pas découvert tous les passages secrets du château. Un passage secret se trouve dans cette pièce et il mène à une des étoiles secrètes du château. Trouve cette étoile, mon petit Mario. Elle te sera très utile. Je t'en prie. Aide-nous. Retrouve toutes les étoiles du château et tu pourras nous délivrer. Je t'en prie, Mario. Sauve-nous. Merci, Ranchi. Merci beaucoup. La 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 la, c'est énorme ce qui se passe. Passe. La la la. Oh non, je l'ai raté. Oh le Purple Drift là. Oh, j'ai raté. C'est énorme. Merci Staru pour ton 8ème mois. Merci beaucoup. Yes! Il y avait pas de pièce rouge là? Vous avez récupéré 3 étoiles de puissance. Désormais, vous pouvez ouvrir les portes marquées d'un 3. Vous pouvez aller et venir dans les niveaux comme bon vous semble. Les ennemis qui vous attendent seront de plus en plus costauds à leur prudence. Remake, hein. On est d'accord, ça remake là-dessus, hein. Ça remake, 100%. La 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 la. Tout le monde. La 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 la. Tout le monde. Tiens, je vais essayer de prendre le champi vert d'ailleurs. Il était pas à gauche. Ah mais attends, il y est peut-être plus du coup. Il est. Putain, je l'ai encore raté. J'en peux plus. Je me déteste. Record battu? Record battu? Étoile secrète. Parce que record battu. Purement et simplement. Purement et simplement. Pas du tout. Pas du tout. Remake? Je sais pas plus, j'en sais rien où il est le cut. Je sais pas plus où il est. Faut aller plus vite, mais je suis au maximum de ma vitesse. Le cut, il est où? Dites-moi. Après, on refait au pire, hein. On n'est pas pressé. Il était là, je pense. Il était là.
Qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Il faut que je saute à quel moment en fait, c'est surtout ça. Faut que je plonge, faut que je saute, que je plonge. Beau cut. Merci beaucoup Amrel, merci beaucoup. Remake. Ah mais attendez, attendez. Merci Tarto. Si, regardez. Je m'en rappelle absolument. Ce truc que tu découvres sans faire exprès. Ah non. C'était pas là? Là? À l'envers, ouais. Ok, reverse sweep, ouais. Pas mal. Je me rappelle pas du coup. Ah, je me rappelle pas du coup. Va falloir le refaire. Hein. Ah, le cut dans le mur, c'est celui du pingouin. Ah merde. Merde. Oh, vous savez, en 22-23 ans, il y a eu consommation de choses qui peuvent affecter effectivement la mémoire. Si, je crois que c'était la glace, effectivement. Si, oui. Ça peut... C'est des choses qui... Enfin, je veux dire, voilà. Oh, allez. Puis on en a fait des choses, hein. On a vécu, hein. Tu vas pas plus vite à plat ventre? Oh, alors peut-être. Si, je vais beaucoup plus vite. Mais par contre, je sais pas où est le cut, du coup. Attends, mais si. Là, si je jump comme ça... Je vais tenter un truc. Non, c'est pas ça, c'est impossible. Sur cette course, tu peux cut en sautant à gauche du rebord en sortant direct du tunnel. Ah! On retente. Dernière fois. Faut rôder au jump. Jump pour, au début pour te lancer. Ah ouais? T'es sûr? Non. Oh! Avec style. Voilà, la question c'est comment. En sortie de tunnel direct à gauche, c'est ça? C'était celle-là, non? Bon, là du coup c'est mort, mais qu'est-ce qu'il fout? Mets-toi dans le bon. Mais Mario! Mais ça va, ne subis pas cette descente! Mec, se tape littéralement une petite balade au bord du mur en arrivée de course, quoi. Bon, allez. Ah, passe-tunnel! Attendez. C'était au tout début. Ah, c'est le premier tunnel. En sortie du premier tunnel, il faut que je saute à gauche. C'est ça ou pas? En sortie du premier tunnel, je saute à gauche. Aucun souvenir de ça. Donc je vais sortir du tunnel à gauche instant. Bah j'ai pas sauté. Ça m'a pas fait sauter. Mais j'aurais dû aller à droite, tout à fait. Je suis allé à gauche, tout à fait. La droite, quand on parle de la droite, c'est bien à droite, hein. C'est le côté droit. Merci Storu. Merci beaucoup Storu. Droite, voilà, ouais, c'est... Tout à fait. Alors comment faire pour... Mais... Bon, 51 World War Game, le billard. Écoutez. La puissance des étoiles va m'amener ailleurs, c'est tout. On le retentera plus tard, mais là j'ai envie de retrouver des feels.
On va pas tarder à croiser le pingouin, non? Montagne glagla. Glissade sur glace. Let's go. Je crois que c'était le meilleur truc. C'était vraiment le meilleur truc. Let's go. Sommet du glacier, attention à ne pas glisser. Tout d'abord, visiter. Bon. Oh, il est là. La 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 la. Merde. Oh, le cut. C'est faisable ou pas? C'est faisable ou pas? Oh, je vais le faire. Oh fuck. Tellement de souvenirs. Oui, c'est ouf. Mais oui, je peux pas sauter en étant sur le ventre. Oui, oui, non, mais oui. C'est effectivement. Ça va pas valider cette pièce? Prends Pingu le sang. Attends, attends. Attends, parce qu'il fait un son de Twingo quand même, hein. Qu'est-ce qu'il fout? Ah merde! Il n'a pas voulu venir avec moi. Il n'a pas voulu venir avec moi. Non, je veux pas. On va pas tenter le cut, c'est bon. Net net. Incroyable! Oula, 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 les sauts, ça met mal. Oh, ok. Vous savez ce qui me fait rire? C'est... Regardez le... Selon si je mets le joystick à gauche ou à droite. Mario, il fait... Il est énervé. Il y a quoi? Pourquoi il monte là-haut? Il y a un truc vraiment là-haut? Ah ouais! Si, si, si. Cam... Ah non. Oh! C'est la maman! Attends, bougez pas, bougez pas. J'ai cru croiser votre fils quelque part. Attendez, j'arrive. J'arrive. J'ai cru... Oui, je suis à vous. Petit pingouin perdu. Oh. Merci Indigo pour le 8e mois. Merci beaucoup. Il tombait tant. Je vais le retrouver en bas? Non. Ah! Salut, mon tout petit Mario! Alors, il paraît que t'es un rapide, hein? Mais es-tu aussi rapide que moi? On fait la course, mon petit biquet? Prêt? Bien sûr, ça va partir là-dessus. Merci Enzus. Merci Geekman. Vous avez pas vu mon fils? C'est exactement ça. Allez, go! On va tenter. Cut. Non mais attends, déjà, cheat évident de sa part, sur le départ. Tu sais, je suis même pas prêt, elle est partie, bon. Oula. Ok, elle prend des virages très close, je vois. Oula. Oula, pas les sauts. Oh non. Attends, j'arrive. L'intérieur, là, peut-être. Ah, j'ai pris l'extérieur. Mais tu me m'obstrues la vision, je vois rien du tout. Je vois le genre. Tu vois le genre. Très bien.
Cut dans le mur. Ah oui, c'est vrai, putain. Mais je sais plus où il est, le cut dans le mur. C'est ça le truc. Ah si, c'est quand on rentre dans le premier tunnel, si je vais tout droit, ça cut dans le mur, non? Je crois que c'est ça. La 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 la. Allez. Oui. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'il valide la course si. Ah oui, là j'aurais. Ah oui, j'aurais pu. Mais je suis pas sûr que s'il valide la course si on prend ça. Ah oui, j'aurais dû sauter.